faire les débriefs Nice-Reims 0-0. Les Rémois est à notre portée. Les gars, franchement, avec les occasions qu'on a eues avec Guiri, Nendoy, Youssef Attal, on pouvait marquer, mais le gardien Rémois était très bon. Et nous, on a de la chance d'avoir Walter Benitez dans les cages parce que les Rémois a failli marquer. Les gars, prennent un point dès du premier match à domicile. Ça fout mal, fallait s'appliquer offensivement. Les Rémois, défensivement, ils s'est appliqués. Ils étaient bons et en contre-attaque, ils nous faisaient mal. Et Dante toujours à pied pour dégager au 6 mètres ou au corner. Voilà, les gars, c'est toujours tout le temps. Voilà, première mi-temps. Reims voulait marquer et pour prendre les 3 points. Mais franchement, on a bien tenu défensivement. Offensivement, il y a du travail à faire, les gars. Comment vous pouvez louper des occasions? Pareil, tirer au-dessus des cages, les gars. Offensivement, ça va être un gros, gros boulot. Gros. Guiri, il faisait face à face avec le gardien Rama. Il trouve le moyen de tirer au-dessus des cages. Là, ça, faut m'expliquer, les gars. L'essentiel, on a pris un point. Voilà, et les gars, franchement, pour moi, ce match, ça m'a déçu parce que vous n'êtes pas appliqué de la première à la dernière minute. Et les Rémois, ils sont appliqués de la première à la dernière minute. La preuve, il nous a mis la pression de la première à la dernière minute. Nous, on s'est dit, ça va, c'est rien, c'est tranquille. Non, vous avez vu, on a failli perdre ce match. Mais Walter, il a fait des très belles parades. Voilà, et franchement, ce gardien est très bon. On a retrouvé Dante et Todibo Dante. Ça marche très bien tous les deux parce que voilà, et c'est rare qu'ils se fassent déborder ou quoi que ce soit. Et pour moi, les Guiri, Kluivert et Rosario, que ça se trouve, et les gars, même Kluivert, il t'a fait des accélérations de psychopathe. Il était bon, mais voilà, sur ses passes, pour essayer de marquer ou tirer au but, c'est tirer comme un gros bourrin, Kluivert. Ça, faut que ça travaille. Et Guiri, je repasse encore à l'occasion de Guiri. À quel moment tu tires au-dessus des cages? Essaye de tirer bien, mais pour essayer de marquer, pour prendre une 3 points. Les gars, ce soir, c'était le retour du public à l'Allianz Riviera. Et fallait pour nous, fallait qu'on gagne. Et chose qu'on n'a pas fait. On aurait Reims. C'est un club qui joue le milieu de tableau et nous on joue le haut de tableau, on veut jouer l'Europe. On peut pas se permettre de faire un match nul contre le Stade de Reims dès le premier journée de championnat. Après on vient la semaine prochaine, on joue à Lille. Lille a eu une occasion à Buta contre le LOSC. Voilà, les gars, là c'est. J'espère que ce match, ça va vous ouvrir les yeux. Là, c'est le premier match de la saison. Chaque premier match de la saison, c'est compliqué à jouer. En plus, sur un bloc bas comme le bas comme Reims, voilà, qu'ils ont refermé le CE, qui a mis le bus pour pas prendre le bus, le but. Voilà, les gars, moi, laissez-moi vos avis dans les commentaires, on peut débattre. Et franchement, si on commence fin de saison sur un match nul, après, sur les autres matchs, faut engranger des points, faut engranger de la confiance, défensivement et offensivement, les gars. Même défensivement, on a eu par moments, on n'était pas serein, les gars. Après, deuxième période, rentrée de Mario Limna, de Melbard, voilà, les gars, franchement. C'est bon ça, et les gars, franchement, Dolberg aussi, l'entrée de Gasper Dolberg, c'est. Il y avait la balle de 1-0 qui a tiré, mais c'est pas grave. Moi, je pense que Dolberg, il va faire sa meilleure saison
avec Nice. Et franchement, voilà, entrée fracassante. Lui aussi voulait gagner. Lui aussi voulait prendre les 3 points contre le Stade de Reims. Et les gars, là, faut faire une meilleure prestation que Reims le week-end prochain contre le LOSC. Le LOSC, si on joue comme on joue contre Reims, c'est bon, là, on part avec 0 points de Pierre Mauroy, les gars. C'est. Faut avoir une équipe qui s'en veut, qui a la niaque, qui veulent tout le temps gagner, prendre les 3 points. Les gars, franchement, là, en plus, les gars, on a Galtier, Galtier, va. Mais c'est pas. Il va pousser dégueulante, hein. Donc, sur ce, il s'est mis ça. C'est vrai, j'ai fait.